Mais je laisse que deux tours à l'intro, deux tours entre chaque couplet, et la fin. Je fais deux tours aussi, je fais deux tours partout. Tu m'as chanté un truc tout à l'heure. Pour la fin. Ouais. C'était quoi? Comme ça. Comme ça, on conclut le. D'accord. Tu conclus et comme l'intro. Sur un la, ou ouais, le finir sur un mi. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais, tu préfères? Je m'en fous. Bon, faut pas que ça dure des heures. Bonjour, Margot Crosby chante ce merveilleux psaume. Almost cut my hair. Il faut que je fasse la batterie là-dessus. C'est en place, la guitare? Oui, je crois. C'est pas, enfin, c'est pas. En tout cas, c'est pas gênant. Je vais pas faire un orgue là, ça sert à rien. Je vais pas faire d'autres guitares. Ni non. Basse. Non. Il faut faire la batterie, la basse, puis le clavier. J'ai que moi, enfin j'ai rien, j'ai pas de musique. Ah pardon. Donc, j'aurais pu me la chanter dans la tête, mais... Je crois que c'était bien. Ok. Ils ont un son un peu genre... Bah non, mais laisse-moi chercher mon son. Tu cherches ton son, toi. Ils ont un côté un peu église dans leur truc. Oui, un point près. Tu vois ? Vas-y. Là, je suis dans leur truc. Il y a trop de grain. Ouais, je peux baisser le grain. Peut-être qu'on peut juste baisser du drive. Surtout comme ça. Franchement, ça me... Ils ont pas plus d'attaque que ça, là il y a pas trop d'attaque. On va le refaire après, mais je continue à jouer pour m'approprier. Ça. Quand même. Tu peux être plus fort parce que je m'embête un peu. D'accord. Je crois que je suis pas assez dans la musique. Allez. Pense que c'est bon, je connais la grille. Non, il était bien mon orgue. Super. Ah. T'aimes pas le son? Je crois pas. Tu penses qu'il est trop mou? Il y a trop de grain encore. Encore trop de drive. Mais j'ai l'impression qu'ils mettent du drive sur des parties et qu'ils en enlèvent à d'autres. Ils doivent s'amuser avec ses... Chut. On va peut-être faire deux sons. Un son très drivé, enfin un peu plus et un peu moins. Attends. C'est pas mal, mais jouer avec les doigts. Oui, je joue avec les doigts, bien sûr. Par rapport à l'octave que tu utilises. D'accord, je joue un coup avec le grave et un joueur. Ouais, tu peux mettre le volume général plus haut. Ouais, c'est ça.
not giving it an inch to fear. Okay. On est parti. Ben oui. Allez hop. Avec ou sans clic? Un petit peu au début. Je commence en aigu au début. Hein. Ouais. Est-ce que je peux peut-être jouer au casque? Oui, d'accord. C'est moi qui... Je coupe la résonance. C'est grave ou pas? Quoi? Je fais ça à chaque fois. Et je coupe. Ce qui me revient, c'est... Non, coupe pas. Ok. Parce que je pense à le couper pour que ça... Parce qu'il y a la frisure après qui est un peu énervante. C'est mieux avec le casque. Comme ça. Sur la corde de sol, ça a pas vraiment bien sonné. Tu vois, ça sonne pas. En effet. Je vais enlever le chiffon, voilà. Un peu cool, non? Tout. Très bien, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi. Rien ne m'a dérangé. C'est ça, quand je joue pas trop, c'est mieux. Hein. Bah, c'est mieux. Non, mais là, ça demande de pas jouer trop. Des morceaux qui demandent de jouer plus. Donc, je prends la grèche. Yes. Il vibre toutes ses cordes en fait quand il joue. Neil Young, ouais. Ah oui. Bah, surtout il a la main sur le. Ah ouais, tu il a la main sur le vibrato. Il joue pas avec vibrato sur chaque note. Peut-être pas, mais il a toujours la main dessus. Ouais. Cette guitare, faut qu'elle reste sur le thème de l'intro. Ouais. Ça tombe bien parce que je le connais. Voilà. Le thème de l'intro. Et j'aime bien le. Voilà, des choses comme ça. Selon la tonalité. Et puis c'est tout. C'est pas la peine d'en rajouter. T'as pas l'impression quand même qu'il y a une pédale de volume parce que normalement les notes font. Peut-être. Bah si, au début c'est. Oui, il le fait peut-être avec. Comme ça. Il le fait peut-être avec le volume, mais malheureusement le volume il est là. Bah là il est pas impossible. Il est impossible. J'ai fait des trucs aigus, hein. J'ai fait des chocs et des chocs. Toi si tu voudras jouer dans les. Voilà. Toi dans les graves, parce que j'ai déjà joué dans les graves avec l'autre guitare, okay. Ce qui fait que tu feras des choses différentes. Okay. Reste là-dessus, c'est-à-dire reste surtout concentré sur les aigus, les arpèges, ouais. Et les petites réponses là. Le son de la guitare, c'est plutôt bien. Ouais, je suis resté au milieu, j'ai rien fait. Mets-toi sur le micro aigu juste pour voir ce que ça fait. Vas-y. C'est Neil Young. Ouais. Oh, plus de reverb. Non, plus de délai. I'm gonna get down on that sunny silver world. Non, il y a des choses très bien. Mais vous êtes prêts? Ouais. Pas mal le son. Ça va? Ah oh ouais. C'est correct. C'est agréable à jouer comme guitare. C'est plus agréable que la Gretsch.
trop en fait. Tu peux mettre la guitare moins fort, ouais. Et le tout un tout petit peu plus fort. À la fin, tout était à peu près correct. C'était super bien. S'arrêter avant et puis c'était pas beau. On refait. C'était pas mal, mais c'est bon, il retourne. C'est une solo quand même. Hein, bah ça. Oui, c'est ton solo en plus. Faut le faire là. Faut le faire bien. Vas-y. C'était bien quand t'allais dans les aigus. Je sais pas si ça tire trop les cordes. Non, faut pas. C'est pas très beau. D'accord, je crois. On va pas le faire. Ça me paraît cool.